Salut les manchots, désactivez le Secure Boot depuis Windows. Allez dans le menu Démarrer, choisir Paramètres, Mise à jour et Sécurité, choisir l'option Récupération et choisir Redémarrer maintenant. Nous allons avoir accès au BIOS pour configurer le Secure Boot. Voilà la page de menu. Il faut choisir Dépannage. Valider avec la touche Entrée, Options avancées, changer les paramètres du microprogramme UEFI. Je valide avec la touche Entrée. Il me demande de redémarrer, ce que je vais choisir, redémarrer. L'ordinateur va redémarrer et va me donner accès au BIOS. Voici à quoi ressemble un BIOS UEFI. À gauche, nous avons les disques durs qui sont présents sur l'ordinateur. J'ai un disque dur SSD 850 EVO 25. À droite, nous avons les boot priority. L'avantage du système UEFI, c'est qu'il voit les systèmes d'exploitation. Ici, j'ai Ubuntu et ici, j'ai Windows. Je peux passer Windows en premier. Il suffit que je le sélectionne, je le déplace. Et c'est Windows qui démarrera en premier sur l'ordinateur si je choisis cette solution. Je vais le repasser en deuxième. Je peux configurer la vitesse du ventilateur ici, le mettre sur silence. Si je veux désactiver le Secure Boot, il faut aller dans les options avancées qui se trouvent ici. Options avancées, je reviens sur un BIOS classique. Dans ce BIOS, il faut rechercher Secure Boot. L'option Secure Boot se trouve souvent sur l'onglet Security. Je le vois ici, tout en bas, Secure Boot est présent. Secure Boot, je valide avec la touche Entrée, je peux le mettre sur Disable et je valide. Le Secure Boot est désactivé. Ensuite, il faut sauvegarder la configuration. Pour cela, il faut aller sur l'onglet tout en haut, Exit, et faire Saving Change on Exit, qui correspond généralement à la touche F10, comme on peut le voir ici. Si jamais vous vous êtes trompé, il faut faire Discard Change on Exit qui correspond à la touche Escape, échappe. Là, je sélectionne Save Change on Exit qui correspond à la touche F10 ou à la touche Entrée. Il me demande de sauver la configuration. Je valide Yes et l'ordinateur va redémarrer et le Secure Boot est désactivé. Salut les manchots, désactivez le BIOS UEFI depuis Windows. Allez dans le menu Démarrer. Allez dans Paramètres, Mise à jour et Sécurité, choisir l'option Récupération et faire Redémarrer maintenant. L'ordinateur va redémarrer et va vous donner accès au BIOS. Choisir l'option Dépannage, valider avec la touche Entrée, choisir Option avancée, valider avec la touche Entrée. Changer les paramètres du microprogramme UEFI. Je valide avec la touche Entrée et choisir l'option Redémarrer. L'ordinateur va redémarrer et va vous donner accès au BIOS. Sur cet ordinateur portable, c'est un BIOS classique. Il va falloir trouver l'option Secure Boot. Généralement, elle se trouve dans l'option Security ou l'option Boot. Ici, l'option Secure Boot est grisée. Je n'ai pas accès comme vous pouvez le constater. L'option est grisée. Pour cela, il va falloir aller dans l'onglet Sécurité. Je vais dans l'onglet Security. Il va falloir entrer un mot de passe dans Setsupervisor Password. Je valide avec la touche Entrée. Il me demande un mot de passe. Je valide un mot de passe Linux. Je tape Linux. Je valide avec la touche Entrée. Il me demande de confirmer mon mot de passe. Je retape Linux et je valide avec la touche Entrée. Il me confirme que le mot de passe est rentré. Ensuite, je retourne sur l'onglet Boot. Maintenant, l'option n'est plus grisée et je vais pouvoir désactiver le Secure Boot. Je valide avec la touche Entrée. Je mets sur Disable. Le Secure Boot est désactivé. Attention, il ne faut surtout pas laisser de mot de passe dans le BIOS. Retournez sur l'onglet Security. Allez dans Setsupervisor Password, qui se trouve ici. Validez avec la touche Entrée.
Il me demande mon mot de passe. Le mot de passe, c'est Linux. Je valide le mot de passe. Il me demande d'entrer un nouveau mot de passe. Ici, vous ne touchez pas au clavier, vous validez seulement avec la touche Entrée. Il me demande de confirmer mon mot de passe. Je ne touche toujours pas au clavier et je valide seulement avec la touche Entrée. Le mot de passe est confirmé et le mot de passe a été désactivé. Ensuite, il va falloir enregistrer les modifications. Pour cela, allez dans l'onglet Exit. Je vais dans l'onglet Exit et choisir Exit Saving Change, qui correspond généralement à la touche F10, comme on peut le voir en bas du clavier ici. Je peux valider aussi avec la touche Entrée. Il me demande de confirmer. Je sauvegarde les modifications. Le Secure Boot a été désactivé. Kenabo et à bientôt!